Comme vous l'entendez, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, il y a un duel avec Cameron, avec Indira, avec Olitina, avec le Rax. Vous êtes sur Fresh, c'est le duel des chroniqueurs. Fresh! Allô? Ben moi, je vais gagner parce qu'en fait, mon freestyle vient tout droit du Québec. So, c'est ça, vous avez aucune chance. C'est moi qui vais gagner, c'est moi. Salut! Ok, alors pourquoi je vais gagner? Parce que j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, parce que je vais pulvériser mes adversaires et mon freestyle va être trop lourd. Je vais gagner. Je vais gagner parce que je suis née pour ça et comme mon Dieu, j'écrase mes adversaires. Je vais gagner parce que je suis fort, parce que je suis intelligent, parce que je suis la tête et non la queue. Et voilà. Welcome sur... Ouais! Bienvenue sur Fresh, vous l'avez entendu à la musique. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui, c'est le défi des chroniqueurs. On verra qui est le meilleur chroniqueur de Fresh. On a sélectionné les meilleurs chroniqueurs. Désolé pour ceux qui sont pas sur le plateau. On a sélectionné les meilleurs chroniqueurs et ils vont s'affronter dans des duels acharnés. Et nous verrons qui sera le gagnant. Et le gagnant aura un magnifique cadeau que vous annoncerez à la fin. On va accueillir nos... Comment est-ce qu'on vous appelle? Les challengers, les personnes qui relèvent le défi. On va commencer à acclamer qui va être présent en premier dans ce duel des chroniqueurs de Fresh. Moi, parce que je serai la gagnante. Bienvenue Indira. Bienvenue Indira. Comment ça va? Ça va super. Est-ce que tu es prête à gagner? Prête à tout remporter. Qui est le chroniqueur que tu vas battre aujourd'hui? Quelle est ta cible aujourd'hui? Olitina. Olitina. Ça commence bien pour Oli. On va présenter alors Oli qui a mis des lunettes à rayon X pour mieux voir les péchés de ses ennemis. Oh, comment ça va Olitina? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que qui est ta cible aujourd'hui? Ravi pour ma victoire. C'est le Rax. C'est le Rax. Oh, le scélérat. C'est le Rax, c'est le Rax, c'est le Rax. Oh. Le Rax. J'espère que tu vas bien Steven. On peut acclamer pour Steven, on peut acclamer pour Steven. Bienvenue Steven dans ce concours des chroniqueurs, le duel des chroniqueurs de Fresh. Qui gagnera? Qui sera le vainqueur? Est-ce que ce sera toi, Steven? Oui, mais ce sera toi, Steven. Tu peux parler plus fort? Oui, c'est moi qui gagnera ce duel. Ils ont déjà perdu d'avance. Ils ont... Un petit verset pour déclarer ta victoire. C'est plutôt parce que tu me fortifies. Oh! Et qui est ton adversaire aujourd'hui? C'est Cameron. Bienvenue Cameron. Comment ça va Cameron? Ça va très bien. Ça va. Qui es-tu prêt à tuer quand même, on va pas aller jusqu'à là, mais à vaincre aujourd'hui? Est-ce que tu as une cible? Est-ce que c'est les trois ta cible? Toi tu prends les trois. C'est les trois. Les trois, tu es venu pour gagner aujourd'hui. Tu es venu pour gagner. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça a fonctionné. Vous voyez que j'ai mis une casquette, voilà, c'est 2021, on y va, on y va. Oui, c'est moi qui écris, si vous n'aimez pas mon écriture, que Dieu vous bénisse. Steven, Indira, Oli, Cameron. Nous avons ces quatre... Cameron, c'est la blague. Nous avons ces quatre prénoms-là, et nous avons différentes manches. Vrai ou faux? Dodo. Quiz culture générale? Dodo. Let's kick à la fin? Dodo. Qui d'entre nous? Doudou. C'est quoi le dernier jeu encore? Tu récupères? Doudou. Et à la fin, nous élirons donc un vainqueur. Bah, on va pas l'élire, celui qui aura le plus de points. Ok, celui qui aura le plus de points gagnera un merveilleux cadeau. Wow. Est-ce que vous êtes prêts à rire et vous êtes prêts à voir qui sera le meilleur d'entre eux? Yes. Yeah. Et on a aussi un merveilleux public aujourd'hui. Ouais. Supporter les chroniqueurs. Bon, avant de commencer rapidement nos jeux, la première question que je vais poser à mes très chers chroniqueurs, comment vous le sentez? Vous sentez la victoire? Qui peut, on voit qui marche par la foi ici? Qui peut déclarer sa victoire? Ok, vous allez tous voir qui va déclarer sa victoire publiquement et on va voir à la fin. Steven, je te laisse. Je déclare au nom de Jésus que je gagne. Je suis plus que vainqueur. Il dit amen, il dit amen. Amen, amen, amen. Je ne peux pas me contrôler, j'ai entendu Jésus, je dois dire amen. Ah, oh. Donc tu sens que tu vas gagner? Non, c'est même plus je sens, je sais. Tu sais? Oh, wow. Olitina en face de lui, est-ce que tu crois aussi en ta victoire? Bien sûr, je le crois, je le sais, je l'ai déjà visualisé, donc c'est bon. Cameroun, comment est-ce que tu le Cameroun, comment est-ce que tu le sens? Tu sens la victoire? Non, je le sens bien, ouais. Tu le sens bien? Yes, on va pulvériser les adversaires. Hein. Ouh, pulvériser, c'est un terme qu'on emploie pour éliminer les cafards. Oh. Steven, c'est un cafard! On va dire à toutes les télévisions. Indira Mouela, comment est-ce que tu sens? Je sais que la victoire est déjà à moi. Waouh, wow. En anglais, je sais, comment on dit? Yes, amen. Yes. Bon alors, on va commencer, guys, avec un premier jeu. On va commencer à entrer dans le vif du sujet. Le premier jeu, j'ai des questions. C'est bien, vous êtes là, vous parlez de la parole de Dieu, etc., etc. Yes. Tout le temps, voilà, la parole de Dieu, Jésus, Jésus. C'est bien, mais vous connaissez la Bible, mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez la culture générale? La culture biblique, c'est très bien, mais est-ce que vous avez la culture générale? J'aimerais faire un petit jeu avec vous, je vous explique comment ça a fonctionné. On appelle ce jeu le quiz de culture générale. Un nom très original, on a pris des heures à le chercher. Je remercie vraiment toute ma famille qui a cherché ce titre avec moi. On était 8 hier soir, de 6h du matin à 18h. Ah, pendant combien d'heures du coup à la culture générale? 12 heures. Mais non, ah si, oui. Pendant 12 heures, on a cherché, c'était vraiment waouh. Je remercie vraiment mon oncle qui n'est pas en France, on s'est appelé toute la nuit. Je rigole. Donc le titre c'est le quiz de culture générale, ok? Ici j'ai un tableau, et ici j'ai un crayon. Et à chaque fois que vous aurez un bon point, je noterai. À chaque fois que vous gagnez un jeu, je mets une barre. Et à la fin le let's kick, je mettrai également une barre. Soyez prêts, on commence maintenant. C'est parti pour le premier jeu. Let's go, let's game. Guys, de retour sur le Let's Game quiz de culture générale. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer très rapidement. Dès que vous avez une bonne réponse, je note un point ici dans mon petit tableau. Et tout simplement, alors dès que vous voulez répondre, vous levez la main. Vous n'avez le droit qu'à une réponse par question. Donc je pose la question, si tu as mal répondu, eh bien ensuite, voilà. Vous pouvez y aller au hasard peut-être. Le premier qui lève la main, je l'interroge. Première question, premier thème de question, nous allons parler de sport. Nous allons parler de sport et la première question, cher chroniqueur, que je vais poser, question numéro 1, c'est sur le basket. À quelle hauteur se situe le panier de basket? Et je vais donner 4 réponses. Réponse A, 2,95 m. Réponse B, 3,05 m. Réponse C, 3,15 m. Réponse D, 3,25 m. Qui veut répondre? Oui, Cameron. 3,15 m. Faux. Et réponse B. 3,5 m. Oui. Un point pour Olion, on a 4. Aïe, 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 ça commence fort du côté de Oli. Ouh, Cameron, on est sur une mauvaise réponse. Alors qu'on aime le basket. Aïe, 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 aïe. Mais après, Oli fait la taille du panier, peut-être que... Alors, deuxième question, question boxe. Qui a combattu Mohamed Ali lors du combat du siècle à Kinshasa? Réponse A, Henry Cooper. Réponse B, George Foreman. Réponse C, Joe Frazier. Réponse D, Michael Moore. George Foreman. George Foreman, réponse comment? Quelqu'un a déjà acclamé. Réponse B, George Foreman. Oui, B. Un point pour lui. Les autres, allez-y, même au hasard. Question judo, quel est le grade le plus élevé parmi ces ceintures? Attendez d'abord les questions. A, bleu. Vous me répondez maintenant avec A, B, O. A, bleu. B, verte. C, orange. D, jaune. Oui, Indira? D. D, éliminé. B. B, éliminé. A. A. La ceinture bleue, n'hésitez pas à vous derrière les écrans également à répondre à ces questions. Faites-vous un petit truc là, faites-vous un petit truc. Oh là là, Oli est en tête avec 2 points, Steven 1 point. Et je rappelle que Indira et Cameron, vous êtes toujours... nul, pas nul, mais les points sont nuls. C'est-à-dire, voilà. Question Jeux Olympiques. Où se dérouleront les Jeux Olympiques de 2022? Mais attendez d'abord les trucs. Réponse A, à Almaty. Réponse B, Oslo. Réponse C, Pékin. Réponse D, Stockholm. Oui. Oslo. Oslo, éliminé. Tokyo. Tokyo. J'ai même pas dit Tokyo. Non, non, non. C'était quoi le B déjà? Pékin. Ah non, c'était Oslo. A. A. Almaty. B. Oslo. C. Pékin. D. Stockholm. A. B. B. Oslo? Ouais. Non, il avait dit Oslo aussi. A. Oui. D. D. Stockholm. Non. A. A. Ah bah non, non. Bah non, non, bah, elle fait le rage. Oui, mais on l'a tous fait, donc faut repartir sur un coup maintenant. Oui. Pékin. Mais c'est pas vrai. C'est laquelle? Moi, je sais. Oui, point pour Steven. Point pour Steven. Point pour Steven, je suis désolé. Question 5 sur le football américain. Combien de points va un touchdown? Réponse A, 3 points. Réponse B, 4 points. Réponse C, 5 points. Réponse D, 6 points. Il a 20 points. C. Non. 3 points. Du coup. Mais il faut dire A, B. Non. D. Oh, Indira, le premier point. Oh là 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 là, oh là 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 là. Un petit problème là, Cameron qui est toujours à 0 point. Cameron, qu'est-ce qui nous arrive sur le sport? On est pourtant sportif de côté de chez Cameron. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pro, c'est pas pro. Et Oli qui est en tête face à Steven, 2-2. Et Indira qui revient, Indira avec un point. Un deuxième thème de question maintenant sur l'histoire, géographie. Peut-être que Oli se gratte la tête. Qu'est-ce qui se passe, Olitina? Non, en fait, j'étais souvent absente. Souvent absente, souvent absente. J'étais en retard. Ah, souvent en retard. Histoire, géographie, toi, c'est comment? J'étais pas là, moi. T'étais pas là? T'étais où, toi? Il y avait pas. T'étais pas? Pourquoi il y avait pas? Pardon? J'étais pas là. T'étais pas là, t'étais où? J'allais jamais. Ah, t'allais? Il dirait, toi, c'était comment? J'étais là. T'étais là? Amen. Quelqu'un de studieux, d'excellent, qui m'a voilà, amen. Cameron, t'étais là en histoire géo? J'étais là, mais j'étais pas là. Oh, waouh, trop deep, waouh. Qu'est-ce que tu essayes de nous faire dire, là, Cameron? Mon corps était là, mais j'écoutais pas, mon esprit était là. Oh là là. Oh, donc Indira, tu penses que tu vas gagner cette manche-là? Je le crois. Deuxième manche de notre quiz. Oh là là. Notre quiz histoire-géographie. Première question. La tour Eiffel fut construite à l'occasion de... Réponse A, la victoire de Napoléon sur les Russes à l'ENA en 1806. Réponse B. Mais mon frère, t'as même pas écouté toutes les questions. D'abord, si vous levez la main, vous êtes éliminé sur toute la manche. D'accord. Réponse B. L'exposition universelle de Paris en 1889. Réponse C. La fin de la Révolution française en 1795. Dites-nous. Oui, Steven, on le va me remettre. C. C. La fin de la Révolution française? Non. B. B. L'exposition universelle de Paris en 1889. C'est la bonne réponse de Direct. Oh, la bonne réponse de Direct qui revient de bas, qui essaie de voir la connaissance. Oh, la bonne réponse. Alors, réponse... Question numéro 2. Quelle est la capitale... Oh. Ah. Quelle est la capitale... Quelle est la cap... Mais j'arrive pas à lire ce qui a été écrit. La personne qui a écrit, franchement... Il s'agit de retourner à l'école. Quelle est la capitale de... Bon, quelle est la capitale de la Suisse? Réponse A, Berne. Quelle est la capitale? On saute ces questions, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a. Question numéro 3. Le fleuve le plus long de France est... Allez, éliminez les deux, vous avez la main avant. Voilà, merci. Le fleuve le plus long de France est A, le Rhône, B, la Seine, C, la Loire. Oui. La Seine. Alors là, éliminez. Est-ce que je peux avoir les réponses, s'il vous plaît? A, le Rhône, B, la Seine, C, la Loire. Je dirais... C. Tu dirais la Loire? Oui. Eh bien, je dirais un point pour lui. Oui. Oli qui a 3 points, Indira 4 points, Steven 4 points et Cameron 4 points. Alors, question numéro 3. Laquelle année... Oh, yeah, yeah, yeah. De quelle année date la première déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen? A. 1948, la première déclaration. A. 1948. B. 1789. C. 1848. Oui. C. C. Et éliminé. B. B. Je dirais un bon petit point pour Cameron. Allez, Cameron, on y va. On y va. Dernière question d'histoire géo. Ok. L'Empire du Milieu a pour autre nom A. Enfin, c'est un autre nom de A, le Japon. B, la Corée. C, la Chine. Oui. C. J'ai l'impression qu'elle revient à hauteur de Oli. 3 points, 3 points, 3 points. Indira revient à 3 points. 3 points pour Indira, 3 points pour Lyon. Pas clamé, les deux en tête. Les deux en tête, les deux en tête. Donc Steven, 2 points là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a déclaré pourtant tout à l'heure? Ça a utilisé le nom du Seigneur. Eh ben... Qu'est-ce qui se passe? Je puis tout par celui qui me fortifie, mais tu peux pas l'histoire géo, frère. C'est qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe, frère? Je sais pas. Ok, Cameron, bon frère, 1 point, qu'est-ce qui se passe? 3 points, 2 points, 1 point. Qu'est-ce qui se passe, Cameron? Dis-nous. On ne s'attendait pas à ça. Tu as pourtant dit que tu allais pulvériser ces cafards. Ouais, je parlais trop vite en fait. Hein, non, parler trop vite. Ah, tu es découragé. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais pas là en histoire géo. Je l'ai dit. C'est pas là non plus en sport alors, hein, parce que bon, le sport c'était pas non plus fameux. Ouais, oh là là, Oli, toi, en tête face à Indira, comment est-ce que tu le vis? Bah ça va, pour l'instant, je démarre bien. Tu démarres bien, ça se passe bien, vitesse de croisière. Ouais. Indira, toi? Pépère. Pépère, à l'aise Blaise. Cool Raoult, tranquillou bilou. Tranquillou bilou, nous allons maintenant passer. À des questions? Eh oui, oui, madame. C'est violent ici, c'est fresh. C'est pas... Hein? Calmos. Ok, calmos. Autre question, on va poser des questions sur la télévision, sur l'histoire de la télévision. Bon, est-ce que vous avez regardé la télé étant petit? Pas trop. Non? Si. Alors tu nous racontais une anecdote comme quoi tu as regardé Télétubbies et tu as fait une crise épileptique dans tes... Bon, raconte-nous cela. Bah du coup, moi je m'en souviens plus. D'accord. Mais c'est ma mère qui m'a raconté que je regardais les Télétubbies et après... On rappelle les Télétubbies, ce sont des personnes avec une tête ronde dans un déguisement. C'est quoi les noms des Télétubbies? Gypsy, Lala, Po, Gypsy, quoi, Bou? Pardon? Y'a pas un truc Bou? Non, pas du tout. Lala, Po. Ah non, c'est Titi Winky. Ah oui, Gypsy. Il a vraiment un nom de ouf, hein. Titi Winky. Titi Winky, c'est le plus grand de tous. Lui, il faisait vraiment peur, par contre. Il est violet. Non, lui, il est vraiment bizarre, je trouve. Non, lui, il était vraiment bizarre. Il était grande taille, il était violet. Il ressemblait un peu à toi, là, avec sa tête, là. Titi Winky, Gypsy, c'était le vert. Po, le rouge. Et Lala, la jaune. D'accord. Oui, j'ai regardé. Non, et donc tu as fait une... Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi non plus, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était peut-être parce que j'avais mangé quelque chose avant ou un médicament. Et t'étais là comme ça devant Télétubbies, d'un coup t'es tombé, t'as commencé à vibrer, c'est ça? Tombé sur l'onction en avance. Tombé sur l'onction en avance, t'avais quel âge? Je sais pas, 3 ans ou 4 ans peut-être. Ah, t'as vraiment une crise d'épilepsie? Ouais, moi je me souviens. La mousse qui est sortie. Ah, désolé. C'est pour ça que la laine n'est toujours pas fraîche. Alors, on rigole. Et vous, la télé, vous avez toujours bien aimé la télé. Yes. Aujourd'hui, vous regardez encore la télé? Non. À part Évangile TV, il n'y a pas trop de télé. Mais toi, tu regardais la télé petit, tu regardais quoi petit? Totally Spies. D'accord. T'étais amoureux de Totally Spies ou pas? Non. Mytho. Non, moi, j'aimais bien quand... C'était que la violence. Ça, tu regardais quoi étant petite? Moi, je regardais Desperate Housewives. Petite? Oui. T'avais quel âge? Bah, j'avais 10 ans. Ah oui, d'accord. Tu y allais, quoi. Parce qu'il y a des meurtres dans tout ça, non? Oui. Bah, ok. Je comprends la suite. Toi, tu regardais pas Cameron petit? Je regardais beaucoup Gulli, hein. Gulli? Ouais. Oh, qu'est-ce que je n'ai jamais aimé cette chaîne. Ah, c'est votre génération, Gulli. Moi, je regardais GTX. Ah, le grand galop. Non, c'était trop lourd. Quoi? Moi, le grand galop. Non, ça, c'est les trucs de votre génération. Moi, j'aimais juste foot de rue. Midi les zouzous. Foot de rue? Ah ouais, voilà. Regardez GTX. Vous connaissez GTX? Si. GTX, c'était avant Disney XD. Bon, alors, les questions sur la télé. Écoutez, guys, là, c'est le dernier thème du quiz de culture générale. Autrement dit, si tu n'as pas bon là maintenant, voilà, c'est un peu chaud. Cameron, il s'agit de reprendre de l'avance, ok? On va commencer sur une question numéro 1. Pendant combien d'années Claire Chazal a-t-elle présenté le JT sur TF1? Réponse A, 22 ans. Réponse B, 24 ans. Réponse C, 26 ans. Réponse D, 28 ans. Indira. Réponse B. Oh, 24 ans, mais elle prend la tête, elle prend la tête. J'ai l'impression que quand c'est Oli qui gagne, on acclame plus. Il y a des supporters d'Oli, on dirait, dans le public. Elle est venue avec son fan club pour l'encourager. Il y a un fan club d'Oli, c'est ça? Oui. Il y a un fan club de Steven? Oui. Indira, un fan club? Oui. Cameron, un fan club? Oui. Alors, question numéro 2. En quelle année la télévision est-elle passée en couleur? Alors, réponse A, 1920. Réponse B, 1945. On sort de la Deuxième Guerre mondiale. Réponse C, 1959. Et éliminé pour cette question, les deux, vous avez répondu. Vous avez la main. Et réponse D, 1967. Oui? Réponse D. Wow. Mais on a quelqu'un qui gagne des points ici. Wow. Oh, Cameron, car on revient en force. Calme-toi, t'as que 2 points. Mais ça y est, Indira 4 points, Oli 3 points, Oh, le fameux cadeau, hein. Indira, tu es plutôt... Les cadeaux. Voilà. Toi, 2 points. Cameron, 2 points. Steven, il s'agit de se réveiller. Il s'agit de se réveiller. Question numéro 3. Quelle émission est présentée par Arthur depuis 1994? Réponse A, Les enfants de la télé. Réponse B, N'oubliez pas les paroles. Réponse C, 7 à 8. Réponse D, Vendredi tout est permis. Oui, Indira? Réponse D. Éliminé. Oli? Réponse A. Les enfants de la télé. Les enfants de... Oh, tu te caresses bien les tresses au passage. Ouais, là, exactement. Ouh, les filles qui prennent la tête, franchement, les filles qui prennent la tête. Ouh là 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 là, il y a des femmes fortes ici. Hein. Les hommes, là, c'est quoi le problème? Les hommes, là, c'est quoi, Steven? Qu'est-ce qui se passe? On attend encore un peu. T'avais pas, pas le câble quand t'étais petit? T'avais pas le câble? Non, j'étais pas trop dans la télévision. T'étais dans quoi? Foot de rue. Foot de rue, c'est quoi? Mais je regardais pas trop. Ah, tu regardes. Okay. Toi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais comme le 194. Ça arrive, ça arrive. Ouais, t'étais pas né, mais bon. Hein? Question numéro 4. En moyenne, combien de temps les Français passent-ils devant la télé? Réponse A, 4 heures par jour. Réponse B, 3h30. Réponse C, 2h30. Et réponse D, 6h. Oui, Simone? 6h. Par jour? Non, 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 non. 3 heures. Éliminé, oui. Oui, Indira. Réponse A. Éliminé. Réponse C. Éliminé. Réponse B. Gagné. Yes. Pendant que vous vous jetez comme des buffles sur les trucs, voilà, très bien, Oli. Réponse. Oh là là, Oli qui est à 5 points. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On a notre dernière question de cette manche et donc de ce jeu. Ouh là 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 là, il s'agit de gagner pour prendre confiance, ok. C'est stratégique, vous connaissez pas la réponse, attendez ou dites au hasard, mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Alors, question numéro 5. Quel est le plus ancien jeu télévisé quotidien? Autrement dit, jeu qui passe tous les jours, n'est-ce pas? Réponse A, Question pour un champion. Réponse B, Les amours. Réponse C, Motus. Réponse D, Des chiffres et des lettres. Oui, Steven? Question pour un champion? Faux. Les amours. Faux. Motus. Faux. Des chiffres et des lettres? Oui. Heureusement que je venais juste te dire avant. Attendez des fois. Voilà, merci, merci d'écouter les conseils. Écoutez les conseils, ça marche. Amen. Donc, on clôture ce jeu. Oh là 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 là. On clôture ce jeu. On clôture ce jeu. On clôture ce jeu. On clôture ce jeu. Et je vais faire les comptes maintenant, ok? Alors, les comptes, c'est pas très compliqué à compter. Puisque Steven n'a que 2 points. Indira, 4 points. Cameron, 2 points. Et Oli bat tous les records avec 6 points. Wow. Oli en tête à la fin du premier jeu. Comment est-ce que vous le vivez, Madame Tina? Ben, mademoiselle, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça m'encourage. Ça vous encourage. C'est encourageant pour la suite. C'est encourageant pour la suite. Vous, Indira, juste derrière Oli avec 2 points de différence. Franchement, c'est pas grave. On va rattraper le retard. Je rappelle que les prochains jeux valeront plus de points. Il y aura tu récupères. Celui qui rigole, enfin, celui qui fait rire gagne 3 points. Wow. Ah oui, 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 oui. Steven, Cameron. Ça y va là. Ça, oui, ça y va. Steven et Cameron, 4 points de différence avec Oli. Comment on le vivait, cette infériorité? Est-ce qu'on marche toujours par la foi, Steven? On marche toujours par la foi, la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Hein. Oui, Steven, Steven, on sent le doute dans votre voix, monsieur Nsundu. Monsieur Nsundu, on sent le doute dans votre voix. Je l'entends. Monsieur Cameron, comment on vit cette défaite pour l'instant, cette défaite Ada? Comment est-ce qu'on la vit? Voilà, hein. C'est le jeu, comme on dit. C'est le jeu? Ouais. Je mets du temps à commencer, mais je vais revenir en force. Revenir en force. Là, vous avez l'occasion de revenir très en force parce que nous allons jouer à qui d'entre nous? Écoutez, c'est très très simple pour revenir en force par rapport à ça. C'est très très simple. Vous allez tous fermer les yeux et je vais dire qui d'entre nous est, admettons, le plus drôle. Il faut vraiment comprendre la logique du jeu. Même vous, derrière votre écran, faites-le. Même vous, le public, vous pouvez le faire. Vous allez pointer votre doigt vers, admettons, la personne la plus drôle en fermant les yeux. Si vous êtes dans le groupe de la majorité des personnes qui ont pointé le doigt vers la personne la plus drôle, ben, sa tête, elle a pas compris déjà, vous gagnez 1 point. Okay, exemple. Si, par exemple, je dis qui est le plus drôle, fermez les yeux, pointez tous votre doigt vers Indira. Si tu fais partie des personnes qui ont pointé le doigt vers Indira, tu gagnes 1 point. Si tout le monde a pointé le doigt vers Indira, mais toi, tu pointes le doigt vers Oli, Vous avez compris ou pas? C'est logique ou pas? Oui. Mais du coup, bah, on a droit de se pointer? Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu feras alors partie de la majorité. Fermez les yeux, fermez les yeux. En 3 questions, à qui d'entre nous très rapide. Qui chante le mieux? On pointe son doigt, on pointe son doigt, on pointe son doigt. Ouvrez les yeux avec les mains pointues. Pointez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ça fait Oli, donc Cameron ne prend pas de points. Oli, Steven, Indira, 1 point pour vous, mesdames et messieurs. 1 point pour vous, mesdames et messieurs. On va passer à la deuxième question. Qui parle le mieux anglais? Qui parle le mieux anglais? Fermez les yeux, qui parle le mieux anglais? Il faut pointer, qui parle... Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. 1, 2, 3, 4, tout le monde prend un point, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, Oli, on a 8 points, là. On a 8 points, on a 8 points. Qui danse le mieux? Fermez les yeux. Qui danse le mieux? 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 Pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt. Ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Indira 100 points. Oh, c'est... Ça y va, ça y va, ça y va. Félicitations. Non, tu étais seule à croire que tu dansais la mieux. Tu étais seule. Mais ils ont pointé qui? Ils ont pointé Cameron. C'est pas vrai. Non, non, la vérité, moi je me suis pointé. Tu t'es pointé toi? Oui, c'est vrai. Ah, bah dans ce cas-là, Oli, on efface un point. Merci pour l'honnêteté d'Oli. Merci pour l'honnêteté d'Oli. Merci pour l'honnêteté d'Oli. Tu dis? C'est moi et Cameron qui comprends. Excusez-moi, du coup, là, c'est qui parle le moins bien français? Je rigole, je rigole, je rigole. Fermez les yeux, fermez les yeux. Qui est le plus stylé ou la plus stylée? Pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt, pointez du doigt. Ouvrez les yeux. Oh là là, alors là, il y a quelque chose. Indira pointe Oli. Oli, tu pointes Cameron? Oui. Steven aussi, je suis désolé, mais Indira, Oli s'était pointée de base, mais elle a changé. Ah, c'est Cameron qui a gagné. C'est Cameron, c'est Cameron, c'est Cameron, c'est Cameron. Donc vous prenez un point, vous. Et la dernière question. Fermez les yeux. Ah bah là, c'est compliqué parce qu'aucun d'entre vous, je crois. Qui fait le plus de sport? Bon. Pardon. Qui fait le plus de sport? Pointez bien, pointez bien. Qui fait le plus de sport? Pointez bien. Il y en a un qui ment ici. Hein. Il y en a un qui... Non, il y en a un, tu ne mens pas, tu pêches. Il y en a un qui est en train de pêcher là maintenant. Il y en a, cher public, ah, il a renoncé au péché. Il a renoncé au péché. Il y en a un qui a renoncé au péché. Ouvrez les yeux. Cameron, ok, d'accord. Très très bien. Vous gagnez tous un point. Steven, c'était pointé lui. Merci Steven. Ah Steven, t'as su que non, 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 non. C'est pas intéressant. Le... Oh, une petite dernière ou pas? Une petite dernière. Ok, bon là je pense que... Ah non, quoique. Fermez les yeux. Qui fait le mieux à manger? Qui fait le mieux à manger? Qui fait le mieux à manger? Il faut se choisir. Ok, tenez bien, tenez bien, tenez bien. Il y en a un qui aime encore les mensonges. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mais frère, tu sais très bien qu'Oli a fait une école de cuisine, de pâtisserie. Tu pointes, il me dira, on allait manger chez elle. Elle fait même pas des pâtes, mon frère. C'est vrai, parce que je me suis souvenu quand on a mangé les bololos là. Les bololos, oui, mais. Les bololos. Ah, les bololos. Mais il me dira, tu cuisines pas très bien, non? Si. Il me dira, du coup, là, on va faire. Ok, on va répéter. Mentir est un péché. Tu cuisines bien, hein, il me dira? Ça va. D'accord. Mentir, du coup, c'est un... Tu cuisines bien, il me dira? Non. Ah. Alors, je rigole, je rigole. Non, mais les bobolos, oui, bon, bon. Mais j'étais pas là, du coup. Mais oui, non, mais. Non, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les gens? Bref. Si vous dites, mais je comprends pas leurs histoires, leurs anecdotes, moi non plus, je comprends pas les anecdotes. Steven est du genre à dire, ah oui, je m'en souviens, alors qu'il n'était pas là. Voilà, donc vous gagnez tous un point, sauf Steven. Voilà. Ouh là là là, à la fin de qui d'entre nous on va compter les points. Steven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. On est sur 7 points pour Steven. C'est pas mal. Cameron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, toujours une égalité entre les deux garçons. Cameron, il est content. Faut gagner, frère. Faut pas. Indira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Indira, les garçons qui sont revenus. Et Oli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai l'impression que je devrais prendre une deuxième ardoise pour Oli, excusez-moi, mais... Aïe, 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 vous avez vu que c'est... Aïe, 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 aïe. Oli, non, non, il n'y a que 3 points de différence, et vous, vous avez 4 points de différence avec elle. Ok, alors, on va passer à un autre game. Oh, oh, oh. L'autre jeu, c'est... Oh, c'est tombé. L'autre jeu, c'est... Vrai ou faux? Oh. Vous avez juste ici... Des ardoises, bon bah je vous laisse les prendre, hein. Chacun son dos. Les ardoises, et il y a des crayons à prendre. Et vous allez mettre d'un côté d'une ardoise un grand... Bah prenez les ardoises. Ah oui, bon je vous donnais la mienne. Vous allez mettre d'un côté V, Et de l'autre... Comme ça, il y a V là. Et de l'autre, F. Bon, Cameron, tiens. Celle où il y a les points, c'est F. Ok, c'est faux. Ah bah, et là, c'est V. Okay. Et vous allez répondre à ces questions-là. Ah, mais je vais devoir compter un point. Non, my God, Cameron. Il nous manque un truc. Bah, Fresh, c'est vrai et l'autre côté, c'est faux. Voilà, très bien, très bien. Génial. Il est trop intelligent. J'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner. Alors, je vais poser les questions. Très simplement. Non, voilà, mettez vrai, faux, vous avez compris. Steven, t'écris quoi? Montre. D'accord, et l'autre côté? Mais un F, mon frère. Ok. Premier, vrai ou faux? L'éléphant a une excellente mémoire. Vrai ou faux? C'est quoi ça? C'est vrai. Ah, rouge, c'est vrai, et l'autre, c'est faux. Ouais. Vrai. Je sais pas. Tu dis vrai ou faux? Vrai. Très bien, un point pour tout le monde. Le béret est d'origine basque. Allez, on y va, vrai ou faux? Quoi? Vrai ou faux? Le béret est d'origine basque. Faux, vrai. Tous faux sauf Cameron, le retour. Le retour de l'homme, le retour. C'était faux, Le passage au feu orange est autorisé. Le passage au feu orange est autorisé. Vrai. Tu peux changer? Ah, non, c'est bon. Faux? Bien sûr que oui que c'est faux, on n'a pas le droit, c'est fait pour ralentir. Tu es la seule ici. Attends, t'as le permis toi, non? Ah bah oui, bah du coup t'as envie. Mais toi t'as le permis, non? Oui, c'est vrai. On a conduit ensemble, il y a qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Tu veux tuer des gens, c'est ça? Hein? Criminal! Et voilà, Oli et Cameron qui n'ont pas de points. Voilà. Allez. Voilà. Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vas-y, essayez, on va. Tu vas montre-nous, vas-y. Non, personne n'éternue comme ça. Ok, vas-y, Cameron. Vas-y. Je prie que tu perdes. Indira. Vas-y, Steven. Ok, qui dit vrai? Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts, vrai ou faux? Vrai, faux, vrai. Mais bien sûr que oui, que c'est vrai, on ne peut pas éternuer les yeux ouverts. Allez, le monsieur ne prend pas de points, mais oui. Allez, monsieur, mais oui, donc bien joué. Oli, bien joué, Cameron, bien joué. Indira, autre question. Le musée le plus... Ah. Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. Vrai. Bien sûr que non. C'est marqué, c'est le... Mais non, mais vous aussi. Quel est votre argument? Ce que Jacques dit, c'est ça? La vie et la mort sont au port de la langue. Oui, mais non, le plus puissant. T'imagines bien, compare ton biceps. La langue, t'as déjà porté tes courses avec ta langue? Non. Tu mets le sac de courses? Non, t'as mal à la langue, mon frère. Mais oui, bien sûr que non. Qui a répondu faux? Personne. T'es sûr que toi, t'as pas répondu faux? J'ai voulu voir si tu trichais. C'est bien. Les chats voient dans le noir. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, bien sûr que non, que c'est faux. Alors. Non, il ne voit pas. Bon, moi je crois aussi qu'il voyait dans le noir, mais là il y a marqué faux. Bon, je ne sais pas. Le bœuf. Ça veut dire il voit dans le noir. Ils sont mitaki. Ils sont quoi? Nyctalope, ça veut dire il voit dans le noir. Bah moi je pense aussi. Je vous compte le point. Non, mais c'est vrai. Je vous compte le point. Sans terme scientifique, je compte le point. Pour moi, il voit dans le noir. La personne qui a fait les questions. Voilà. Le bœuf et le mâle de la vache. C'est vrai, c'est un terme scientifique qu'on utilise. C'est vrai. J'aime bien ça. Le bœuf et le mâle de la vache. Vrai, faux, allez, on y va. Faux, vrai. Mais bien sûr que oui, que c'est faux. Il y a qu'Indira ici qui a... Mais attendez, bien joué, Indira. La tomate est un fruit. La tomate est un fruit. Oui. Bien joué, même si ça se mange en salade. Mettez ça avec un petit tuile. Une salade exquise. Hein. Les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. On met tout le monde à un point, mais ils sont trop intacts, la merde. On clôture donc ce jeu. Alors, le compte des points. 8, 9, 10, 11, 12. Steven, on revient à 12 points. 15 points, mademoiselle Moella. 15 points, mademoiselle Gérard. 16 points au lit. Il n'y a plus qu'un point de différence. Oh là là. Et Cameron. 13 points, Cameron. Je rappelle, Oli numéro 1 avec 16 points, Indira 2ème avec 15 points, Cameron 3ème avec 13 points et Steven pas 4ème, dernier avec 10 points. Nous allons maintenant passer à... Oh là là, l'écriture. Nous allons maintenant passer à autre chose. Tu peux me rendre la petite fiche, merci Cameron. Merci Cameron. Alors, nous avons un tuerie, tu perds. Je vous laisse sortir votre téléphone si vous en avez, je vous laisse sortir vos armes si vous en avez. Et... Je vais vous demander tout simplement, chacun votre tour, c'est très simple. Celui qui fait rire les autres gagne 2 points par rire. Ok. C'est-à-dire que là, tout peut se jouer et tout peut changer. 2 points par rire. Je vais expliquer ce que c'est un rire. Vous allez mettre de l'eau dans votre bouche. Oh non! Attendez, je vais expliquer comment... Ah! Il faudrait que j'ai un verre pour ne pas... Oui, non. On ne peut pas boire dans le verre de l'autre, mesure sanitaire. Il aurait fallu que j'ai un verre, c'est pas grave. Vous allez prendre un peu d'eau dans votre bouche, et si vous faites un... Ou s'il y a un bruit qui sort de vous, ou un... Ça, c'est un rire. Ou un... Ou un... Enfin, c'est un rire. Par exemple, vas-y, tu peux mimer un rire. Mais non, non, ça tu peux mimer un rire, on dira. Non, ah non, mais c'est pas possible. Vas-y, toi. Voilà, ça c'est un rire. Dès lors qu'il y a un bruit, c'est un rire. Ok. Ok. Dès lors qu'il y a un bruit. Ok. Vous allez prendre, vous voulez prendre un peu d'eau dans votre bouche ou pas? Ouais, c'est marrant. Mais est-ce que ça fait, est-ce que ça fait rire plus facilement ou pas ça? Oui. Non. Non. Si. Alors, qui veut commencer la première blague? C'est au nombre de rires que vous aurez 2 points à chaque fois. Qui veut commencer la première blague? On vous laisse. Bah moi. Toi, ok. Mettez tous un peu d'eau dans votre bouche, s'il vous plaît. Remplissez pas non plus tout parce que voilà, il faut. Vas-y, un peu. Allez, quand même. Pardon. Vas-y, mettez. Allez, on y va. Okay. Vous gardez, vous avalez pas. Steven ne boit pas, mais il vient de boire. Steven, gardez. Oli, vous la regardez tous dans les yeux, s'il vous plaît. Celui qui quitte les yeux perd et donc donne 2 points à Oli. Oli, est-ce que tu peux commencer ta blague? Tu ris, tu perds, c'est maintenant. Ok, ça marche. Vous la regardez, vas-y. Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se décider? Tirage au sort. Tirage au sort. Tyrannosaure. Et il y a de l'eau qui sort là. Tu as le droit de continuer, hein. Tu as le droit de continuer un peu, vas-y, on te laisse 10 secondes. Ouais, tu fais... Voilà, vous avez compris, les dinosaures. Tu peux faire un accent, tu peux faire ce que tu veux, tu peux... Après... Tu peux, vas-y, tu peux se voir, peut-être. Bon bah... Peut-être, tu as encore 5 secondes, allez, qu'on fait rire. Tyrannosaure, tirage au sort. T'as capté? Il a avalé. J'allais m'étouffer. Bah oui, parce que t'avais pas libéré. Ça compte 2 points, on a 20 points. Ça compte 2 points, ça compte 2 points, je suis... Ah oui, ça compte 2 points, ça compte 2 points, ça compte 2 points, si vous les avalez, voilà. Très bien, Cameron, tu veux faire ta blague maintenant? Ouais. Ok, prenez tous de l'eau un peu plus, s'il vous plaît, parce qu'il me dira, tu n'as rien pris. Prenez un peu plus, s'il vous plaît. Prenez un peu plus, prenez. Ayez les joues gonflées. Prenez. Voilà, gardez. Steven, arrête de boire. Arrête. Tu crois que je te connais pas? Cameron, vas-y, fais-leur la blague, vous devez la regarder dans les yeux. Et tu, après, 10 secondes après ta blague, peux faire un accent drôle ou un geste, je ne sais pas. Okay. Un bruit. Vas-y. Si on vous regardez dans les yeux, si on regarde notre blague, ça... Non, t'inquiète. Ok. C'est pas drôle, mais qu'est-ce qu'un nain qui n'est pas intelligent? Un imbécile. Tu as le droit de continuer. Oh là là, tu as le droit de continuer sur Indira. Coucou, ça va? Tu as le droit de continuer sur Indira. Ok. J'aurais attaqué Indira à ta place. Non mais c'est pas grave. Est-ce qu'on vous donne 2 points pour la gênance? Non. Voilà, vous pouvez avaler. Désolé Cameron. Ah, c'était une occasion Cameron, c'est pas grave. On n'est pas toujours drôle. On n'est pas toujours drôle, mais il y a un let's kick après. Tu pourras... C'est 5 points le let's kick. Oh là ça va. Ah oui, là ça va. Ah, là, ça va je pense que peut-être sans eau c'est mieux, vous rigolerez plus facilement. Paradoxalement je pense. Tu peux avaler l'eau. Ah ok. Question, allez Indira, tu fais ta blague? Ok. Donc vous devez tous la regarder dans les yeux. Dans les yeux. La bouche bien fermée. Dans les yeux. Dans les yeux, c'est là mon frère. Vas-y Indira. Ok. Tu auras de faire ce que tu veux. C'est 2 steaks. Non, c'est 3 steaks du coup. 3 steaks dans la forêt. Et il y en a un qui part. Et du coup les 2 autres, bah, je cherche parce que c'est leur pote. Et ils cherchent leur ami steak. Ah non du coup. Il y en a 2 qui... Excusez-moi, oui. En fait, il y a 2 steaks qui veulent faire une blague à leur autre ami steak. Et du coup, ils vont se cacher dans la forêt. Et du coup, l'ami steak, le pauvre, bah, il les cherche, vous voyez. Et du coup, bah, quand l'ami steak trouve ces 2 autres ami steak, il leur dit « Mais vous étiez où? Qu'est-ce que vous faisiez ?» Et là, l'ami steak, les 2 amis lui disent « On s'était cachés !» On s'était caché. Tu as le droit de continuer, On s'était caché parce que c'est des steaks du coup. Cachés. Oh là là, lui c'est bon, tu veux continuer. Tu veux continuer. Je suis cassée du coup. Tu peux faire un accent, tu veux quoi, je ne sais pas. Il s'était coché. Il s'était coché dans la forêt, tu sais. Il s'était coché dans la forêt. Ouais. Franchement, je donne 2 points. J'aurais dû donner 1 point bonus pour le public parce que vraiment, ça fait. Allez, désolé. On donne 3 points, franchement. Ah, Cameron, tu vas perdre, mais au moins tu rigoles bien. Je rigole. Oh là là. Quelle blague pourrie, mais oh là là, je ne m'attendais pas. Oh là là, je t'avais fait un truc genre, il y avait une pastèque, quoi. Comme ça. Oh là 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 là, Seigneur. Ok, Steven, vas-y, tu vas clôturer. Steven, regardez-le tout, s'il vous plaît. Là, on est sur un potentiel de gag. Steven, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Vas-y, Steven. Regardez-les tous dans les yeux, s'il vous plaît. Vas-y, Steven. Faut faire une blague, du coup. J'étais en vélo, tout ça, et je faisais tuer. Regardez-le. On lit, tu rebaisses les encore, tu fais. Je suis déçu. Désolé. En fait, un jour, je suis dans les yeux. Et je suis tombé dans du caca. Tu t'es dit 2 fois. Alors il dit 2 fois. Oh là là. Oh là là. Attaque, attaque Steven. Attaque Steven, attaque Steven. Allez quoi, c'est pas sympa. Oh purée. Un dernier bruit pour Oli pour la faire rire. 2 points. Il donne un point bonus du public, non? Oui. 5 points. Oh là là, Steven, on passe à 5 points. Oh là 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 là, il m'a fait rire. Je vais compter les points maintenant. Steven, on est à 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points. Indira, on est à 15, 16, 17, 18. 18 points. Oli, on est à 18 points également. Et Cameron, 13 points. Et Cameron, 13 points. Est-ce que vous voulez qu'on fasse juste une dernière blague? Qui veut? On laisse, vas-y, un dernier tour rapidement. 5 secondes pour faire rire quelqu'un. Cameron. Non, là, j'ai pas d'inspire. Oh, frère, tu peux. Essaye, frère. Je suis gênant, c'est pas drôle. Essaye, c'est pas grave. Essaye, frère, 13 points, tu peux remonter. Ok. Pour le vote du public. Allez, on y va. J'en ai pas. Bon, réfléchis, vas-y, me dire à toi. Un point en plus à gratter. Ah, un point en plus? Allez, on y va. 1, 2, 3. Ok, parlons entre vous, le premier qui rigole qui fait l'autre. C'est qui? C'est quoi le pays le plus cool du monde? Le Yémen! C'était drôle. Le Yémen. Bah, du coup, vous pouvez parler entre vous, faire rire. Il est terrible, c'est possible. J'ai arrêté de péter là un peu là. Oui, allez, 2 points pour Steven, on y va. Ah, oh non. Ça va, toi? Ça va et toi? D'accord, alors 19 points pour Steven. Non, on va mettre 18 parce que voilà, un petit raid Indira, c'est pas non plus 2 points. Et on passe maintenant sur la dernière partie. Je rappelle les points, je rappelle les scores. On a un trio de tête. Steven 18 points, Indira 18 points, Oli 18 points et Cameron a 13 points qui est derrière. Qui gagnera à la fin? Tout est encore jouable parce qu'il y a un Let's Kick à 5 points. On passe maintenant au Let's Kick. Fresh! Hey guys, de retour pour notre petit Let's Game. Je vous rappelle les points. Steven est à 18 points, Indira 18 points, Oli 18 points. On va passer maintenant au Let's Kick où ils vont rapper, freestyler et nous allons voir qui va faire le meilleur freestyle. Ce sera sur le publicomètre, les acclamations du public et celui qui gagne prendra 5 points directement. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est la maison qui offre. Est-ce qu'on peut lancer la régie, cette petite instrumentale? Est-ce qu'on peut la lancer? Et qui veut commencer? Peut-être que le premier peut-être peut avoir un bonus, 1 point. Cameron? Allez. On donne déjà un bonus à Cameron pour le courage, il passe à 14 points. 14 points. Est-ce que la régie, est-ce qu'on peut lancer la petite instrumentale? Et Cameron va ouvrir le bal. Il n'y a pas de honte. On sait que vous n'êtes pas rappeur. Ouais. D'accord. Une instrumentale qu'on connaît à Fresh. Ok, Cameron. Vous êtes prêts? On est prêts. Triple 7. Jésus revient, c'est pas des balivernes. On commémore le Christ par la Sainte Seine. Je me visualise en train de prêcher sur scène. Il faut que je l'abat la parole pour une vie saine. La vie chrétienne, c'est être ultra moderne. Sa gloire est plus lumineuse qu'une lumière. Autrefois, j'étais le mouton du diable, mais aujourd'hui, je suis le berger des brebis. En moi réside le Saint-Esprit. Les exploits en son nom seront accomplis. J'y follow le Christ et ça, c'est pour la vie. Yes. Je vise la qualité avant la quantité. Jésus, c'est le chemin de la vérité. Avec lui, tu prospères pour l'éternité. Ya, ya, ya. Oh, aïe, 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 aïe. Avant, j'étais mouton du diable. Aujourd'hui, je suis berger des brebis. Oh, aïe, 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 aïe. Je donne un autre point comme ça, c'est pour moi. Allez, j'ai beaucoup aimé. Steven ou Oli, vas-y, on y va. Conduit par l'esprit. Excuse-moi, ça c'est notre émission, c'est le numéro 2 et c'est moi. Eh, pull up, parce qu'on peut repartir à zéro là, s'il te plaît. On peut repartir à zéro, ça s'enchaîne en tout cas, Cameron. On a entendu, on va voter à la fin. Oli, vas-y. Oli, ensuite Steven, ensuite Indira, on y va. Ou Indira aussi est violente. Hein. Tout ce jeu là, donnez-vous au maximum, il n'y a pas de honte. Okay. On sait que vous n'êtes pas rappeur, vous êtes des chroniqueurs. Oh. Oh. Je me donne un point, allez, c'est pour moi. Ok, Oli. Ok. 1. Pas de risque possible. Assurément, je sers le dieu de l'impossible. Les montagnes, la maison sont comme des sauterelles. Pauvre d'elle, ma nature est divine et immortelle. L'amour qui m'anime est vraiment sans limite. Par lui, je suis allée au-delà de mes limites. Cet amour a une profondeur, une hauteur, une largeur et une longueur. Pas besoin de Rolex pour savoir que l'heure est au réveil. Je ne gagne pas des âmes, je ne trouve pas le sommeil. Je ne mange pas sa parole, je serai spirituellement un homme. Mexique, je veux être rempli de lui pour faire des nations des disciples. Oh, ah oui, c'est même plus la publique là. Ok, Steve, ok, Indy, vas-y, Indy. Hey. J'improvise pour la gloire du Christ, ouais, j'improvise pour la gloire du Christ. Aujourd'hui, c'est le freestyle Fresh et c'est moi qui vais le gagner. Avec Jésus, j'ai la victoire, ouais, la victoire assurée. C'est pour ça que je vais chanter. Montre-moi comment t'aiser, montre-moi comment t'aiser les montre-moi comment t'aiser les fais ton meilleur pas et montre-moi comment t'aiser les Jésus-Christ, notre sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Du diable, je n'ai plus peur et on est plus que vainqueur. J'ai dit, montre-moi comment t'es zélé. Montre-moi comment t'es zélé. Montre-moi comment t'es zélé. J'ai dit, montre-moi comment t'es zélé. Passe avec lui. J'ai de le voir, donc on a entendu Oli, on a entendu Cameron, on a entendu Indira. Et le problème, c'est qu'on vient de se rendre compte de quelque chose. Peut-être que personne n'en s'est rendu compte. Écoutez, cher public, il y a une triche. Il y a une escroquerie. Il y a un défaut de production. Il y a une fourberie. Il y a un calembour aujourd'hui. Nous avons sur le plateau ici le duel des chroniqueurs, un tricheur ou une tricheuse. Excusez-moi, je ne supporte pas la triche. On sait qui est le père de la triche. Il y a quelqu'un ici sur le plateau, cher public, qui n'a pas rappé un texte qui venait d'elle, mais un texte qui venait de Tijan King. Qui est-ce? Les instructions étaient bien celles-ci. Vous devez préparer votre texte ou improviser. Steven, toi, vu ton texte, c'est pas Tijan King, hein, ça c'est Tijan Parois, putain, parce que ça c'est méchant Parois, ça c'est pas Tijan King. Indira, toi, c'était de l'impro, on l'a entendu, on connaît ton fameux « Montre-moi comment t'es zélé ». Cameron, un titre qui venait de toi? Yes. Ta propre production? Yes. Mais Olitina, excuse-moi, je mets les jambes comme celle-ci, comme ça. D'où venait ce que tu as rappé? Je me suis fortement inspiré. Non, fortement inspiré ou copié? J'ai plagié. Tu copies Tijan King alors que tu lui arrives copié. Elle a triché. Oli, désolé, j'aurais voté pour toi, mais tu as triché. Nous ne pouvons plus, Oli. Oli, tu t'es pris en flagrant délit. Y en a marre. Tu allais pour gagner le duel des chroniqueurs, le merveilleux cadeau. Et tu redescends. Et tu redescends. Alors dans ce cas-là, vous allez voter pour qui vous voulez, mais Oli ne sera pas dans le vote. Mais tu peux voter. Les derniers seront les premiers. Peut-être que tu viendras au duel des chroniqueurs numéro 2 pour retenter une chance. Tu veux ou pas? Les premiers seront les derniers. J'accepte. T'acceptes? Oui. Les premiers seront les derniers. Ah, amen. Ouais. Mais toi, tu resteras dernier. Alors. Cher public, pour qui est-ce que vous votez? Et vous dites-nous d'ailleurs, envoyez-nous un message sur Instagram, pour qui est-ce que vous auriez voté? Alors, on va faire l'applaudimètre. Qui vote pour Steven? Faut applaudir. Qui vote pour Steven? Oulala! Tu peux applaudir pour toi. Hein. Qui vote pour Steven? C'est sympa. D'accord, c'est juste tu as ramené un ami, c'est ça dans le public. Qui vote pour Cameron? Ok. Qui vote pour Indira Moella? Qui vote pour Indira Moella? Excusez-moi, Cameron, c'est plus, non? Oui. Le problème, c'est que Cameron, s'il prend ces points-là, il passe à 18 points. Comme Indira. Nous allons terminer ce duel sur un pierre-feuille-ciseau. Chroniqueur, Cameron, chroniqueur Indira, avancez-vous. Main derrière le dos, s'il vous plaît. Ça va se jouer en une manche. Le puits n'existe pas. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Cameron a gagné. On a notre grand gagnant. On va faire la chorégraphie pour Cameron. On a notre grand gagnant des chroniqueurs. Cameron, comment est-ce que tu le vis? Je l'avais dit en fait. Tu l'avais dit. Il a dit qu'il allait pulvériser tous les cafards. Il a perdu au vrai ou faux. Il a perdu au quiz. Il a perdu au qui d'entre nous. Il a perdu au tu récupères. Mais il gagne en finale. Nous avons sur le plateau un homme de foi, cher chroniqueur. Cameron, tu es donc le premier gagnant du premier duel des chroniqueurs de Fresh. Et voilà, un petit mot pour tes adversaires. J'aurais jamais réussi sans le père, hein. C'est lui qui m'a aidé. Et du coup, c'était un petit mot pour les adversaires. Ouais, vous êtes nuls. Non, je rigole. Vraiment, félicitations à tous. On a tous été forts. J'ai beaucoup aimé le freestyle d'Indira. Moi aussi. J'ai beaucoup aimé celui de Tijan King aussi. Merci Oli, parce que tu nous fais découvrir certains artistes. C'est vraiment génial de ta part. Et voilà, et Steven, ton freestyle, ta prédication était vraiment édifiante. Vraiment édifiante, j'ai revu le 10-19. En tout cas, guys, c'était le premier duel des chroniqueurs. On fera une partie 2. Vous voulez une partie 2, le public? On fera une partie 2, l'Instagram de Fresh, ça fait juste maintenant. Et dans la partie 2, on remettra le cadeau au fameux gagnant, Cameron, qui recevra son cadeau. Et Oli sera réinvitée peut-être pour retenter sa chance, parce que si elle n'aura pas triché, elle aura pu gagner malheureusement. Comme quoi, les derniers seront les premiers. Mais pas pour Steven qui reste dernier du jeu. Alors, voilà. Steven, 18 points. Indira, 18 points. Oli, 18 points. Et Cameron, on est sur un 19 points. On est sur une victoire écrasante. L'Instagram de Fresh s'affiche. Que Dieu vous bénisse et stay fresh!